That I stayed in. I took my lifestyle from mediocre to good, and now we say it's sitting at amazing. Girls trying to so whole lobby us. Him all screaming, and it's probably us. But I can't blame females. Females can't really ignore something that's obvious. What you really expect when I strut through town? 2 or 3 days, I'll shut you down. Chilling with the homie Trey Songz, you call him a prince. He read two up, two down. Anyone I know get used to me. I'm far from the man that I used to be. And I don't ever really kick game. I know you find it impressive whenever you introduce to me. Cause I'm a good dude, take pride in that. Need good love and I'm providing. Understand that I'm worldwide, you get it how you want it, wherever you be residing at. Cause I do things from the M-Town to the UK and from Spain back out to Texas. This album for my fans, but yo, this hook is for my slip up and then they break out, but it's another story over here Drake has, cause I'm dripped up and I'm draped out and I'm lean back, scoping, looking for a woman that I should wife, who got just the right amount of loyalty in her, but still anticipating us living a good life. We go L-A-V-A-N-Y-T-O, sunshine and that heat stroke, and then fur hoods and that deep snow. We had breakfast in the bedroom, a break bread downstairs in the basement, since Jane Kells ain't doing a thing no more, gets me in the boy songs, the Brooklyn boy songs. Salut tout le monde, c'est Benoît. Alors comme à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, bah, je prends mon temps parce que j'ai envie que ce soit le plus sincère possible et le plus simple. Mais c'est souvent comme ça que je vous fais passer le plus facilement mes émotions, si vous voulez, en vous ouvrant mon cœur un petit peu, je pense qu'on peut le dire. Et comme à chaque fois, je me dis, bon allez Benoît, on va faire court cette fois-ci, fais-toi un texte. Fais-toi quelque chose qui va te permettre d'y aller cash, de leur dire ce que t'as à leur dire et tout. Et finalement, je me dis, mais... finalement, cette spontanéité et cette envie de parler aux gens un peu en freestyle, c'est ce qui leur plaît, j'ai l'impression. Et c'est ce que je vais faire encore une fois sans avoir absolument rien préparé vu que c'est la première prise. Mais en gros, voilà, cette vidéo 500 000 abonnés, ça fait un moment que je pensais à faire quelque chose comme ça, ce magnifique tour en avion que j'ai pu faire grâce à ma connaissance Lou Demina, son pseudo. Donc, mais avant tout, merci à lui parce que c'est grâce à lui que ça a été possible. Vous remarquerez que par rapport à la vidéo, j'ai perdu du poids, n'est-ce pas? Au niveau des cheveux, je crois qu'il était temps. D'ailleurs, quand je regarde les images, je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu autant attendre, mais c'est pas grave. Finalement, il y a beaucoup de gens, je suis presque sûr qu'il y a des gens qui vont se plaindre et qui vont dire, ah là là, tu te fous de notre gueule, 500 000 d'abonnés, voilà, un tour en avion. Honnêtement, déjà, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été fasciné par l'aviation, etc. Donc pour moi, ça a été une expérience incroyable de pouvoir faire ça.
je veux dire des avions de ligne, voilà, j'en ai déjà pris plein, même beaucoup. Mais par contre, un petit avion comme ça, où finalement, même moi, à un moment, j'ai pu un petit peu piloter, c'était incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait d'incroyable, c'était le pilote, que je tiens à remercier d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, parce que ça a été génial, il a été très très gentil avec nous. C'était en fait, de décoller, et là, il se retourne vers moi et il fait: on va où? Et voilà, et c'est toi qui décides où tu vas. Et vraiment, c'était une expérience incroyable. Et pour moi, c'est une opportunité géniale, grâce aux deux caméras en plus que Lou avait apporté. Donc, la GoPro, vous avez vu à l'intérieur de l'appareil de l'avion, ainsi que sur l'aile. Vraiment pouvoir vous faire découvrir cette région dont je suis très, 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 très fier. Moi, j'ai toujours adoré la Suisse, qui est mon pays où je suis né, où j'ai tout le temps habité, et cette magnifique région du Valais, pour ceux que ça intéresse. On a aussi survolé les Alpes françaises ainsi que le canton de Vaud avec le lac Léman, la Gruyère aussi. Enfin, vraiment, on a survolé plein de petits trucs parce que l'avantage en Suisse, c'est que c'est pas un grand pays, donc en très peu de temps, on voit beaucoup de paysages différents. Mais je tenais à vous le montrer, à quel point cette région est magnifique et à quel point le monde est beau, et peut-être que ça donnera à certains l'envie de venir voyager. Alors je vous demande pas de venir voyager devant ma porte, mais si vous venez découvrir cette région, je peux vous dire que vous passerez pas à côté de quelque chose, ou plutôt si vous ne venez pas, vous passerez certainement à côté de quelque chose. Voilà. Moi maintenant, voilà, un demi-million d'abonnés. Honnêtement, quand j'ai commencé ma chaîne, si on m'avait dit que j'arriverais à ça un jour, j'y aurais jamais cru, très honnêtement. Ça continue à monter. Moi, je vais être le plus sincère et honnête possible avec vous. Je me vois pas faire ça jusqu'à l'âge de 30 ans, loin de là. C'est une opportunité incroyable pour moi, de pouvoir finalement faire de ma passion mon job. Et c'est d'ailleurs ce qui pose un certain malentendu, j'ai l'impression, pour certaines personnes, parce que j'ai l'impression d'être une des rares personnes qui n'a pas le droit de se faire de l'argent en travaillant, avec son travail. Alors bon, voilà, j'avoue avoir une chance dans la vie, effectivement, c'est de pouvoir travailler avec ma passion, mais croyez-moi, mine de rien, c'est du travail, même si je le fais avec énormément de plaisir. Et je compte bien vous remercier, même s'il faut que vous compreniez que, encore une fois, je dirais que j'ai la présence d'esprit et la maturité de me dire que ça va pas durer jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que l'argent, mine de rien, ça part très très vite. Et c'est pour ça que la quasi-totalité de l'argent, je le mets de côté. Mais pour ces 500 000 abonnés, croyez-moi, j'ai bien pensé à faire quelque chose pour vous et à réunir pas mal de lots à vous offrir. Alors bon, faire plaisir à un demi-million d'abonnés, ça va être dur, mais essayez de faire plaisir à un maximum de personnes, ne serait-ce que le geste, j'espère, vous fera plaisir. Voilà, de ce côté-là, ça c'est dit. Je pense certainement avoir d'autres choses à dire, mais j'ai complètement oublié, encore une fois, tellement je m'enfonce dans des sujets. Merci à Parano, qui a fait la musique originale que vous avez entendue, et le remix de son ami. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne. Je ne sais pas comment on prononce le nom. Beas, Beas, qui ont fait le remix que vous avez entendu et qui est vraiment génial. Voilà, merci à eux aussi, vraiment quelque chose de sympa. Et bien entendu, comme je le fais à chaque fois maintenant, merci à toi. Merci à toi qui regarde cette vidéo et qui finalement fait que je peux continuer à faire ce que je fais, à avancer dans cette passion, à rester le plus sincère possible et en même temps à pouvoir me professionnaliser, rencontrer des gens, rentrer dans cet univers. Vous allez le voir par la suite, comme certains le savent, que je vais pouvoir voyager, faire plein de choses, vous proposer des choses évidemment. Et c'est vraiment exceptionnel. Alors ouais, merci à toi qui regarde cette vidéo et un merci plus particulier à Sophie, ma copine, qui me soutient énormément, à tous mes amis, à l'Advan Family, aux gens qui me suivent sur Twitter, les gens que je connais autour, les contacts Skype que j'ai, etc. Vraiment toutes ces personnes qui me soutiennent, mon petit frère, ma mère, mes parents en général, je veux dire, c'est incroyable d'avoir autant de soutien de votre part. Et vraiment, je sais que des gens ont l'impression que j'ai changé. J'espère bien que j'ai changé, mes amis. Ça fait plus de 6 ans que je réalise des vidéos. Il y aurait un problème si j'avais pas changé.
Mais j'essaye de garder la tête sur les épaules et croyez-moi, oh mon Dieu, croyez-moi à quel point c'est pas simple des fois de garder la tête sur les épaules quand on avance des choses, quand on dit des choses et quand on se rend compte des répercussions que ça peut avoir. Des fois, je peux vous dire que quand on a seulement 19 ans, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais encore une fois, c'est une très belle expérience, c'est une belle aventure, encore une fois. Et vous le savez pourquoi j'utilise ce mot aventure. Parce que si tout ceci avait été prévu, je ne l'aurais pas appelé une aventure. Et cette aventure, elle continue avec vous, elle continue avec toi. Et je vous remercie énormément. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour cette vidéo demi-million. Pour les lots que je compte vous faire gagner, je compte certainement faire une vidéo spéciale rien que pour ça, histoire que tout le monde ne passe, personne, pardon, ne passe à côté et que tout le monde ait sa chance. Et voilà, je pense avoir tout dit énormément, encore une fois, de tout mon cœur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être abonné à ma chaîne, de regarder mes vidéos. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mes voyages, je peux pas en dire plus, mais ça va venir rapidement, qui vont vous faire découvrir des choses. Ma chaîne secondaire, alors je me permets d'insister là-dessus, mais soyez sûr d'être abonné à ma chaîne secondaire parce que ma chaîne secondaire va avoir un renouveau, une renaissance. Il va y avoir beaucoup de vidéos, voire plus que sur la chaîne principale. Je ne vais pas privilégier la quantité que la qualité. Je crois que vous me connaissez. Je ne suis pas du style. Mais au moins pouvoir proposer plus de diversité tout en gardant un peu ma chaîne principale propre et clean, entre guillemets. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et l'aventure continue, les amis. Salut!